Bien, bonjour à toutes et à tous. Il est, allez, 2 heures moins 3 minutes. Dans quelques instants, eh bien, c'est William qui va recevoir Yo-Yo pour cette interview. On vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, à la fin du confinement. Si je compte bien, il nous reste jeudi, alors attention, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, 5 jours, si j'ai bien compté. Et dans 5 jours, yes, on va pouvoir eh bien, tous prendre nos vélos, trottinettes, et puis partir. Et puis voilà maintenant ce que j'ai. Devinez ce qui arrive. Eh bien voilà, ce sont des choses qui arrivent. Eh bien, c'est le micro qui va certainement lâcher, qui va lâcher prise. Bon, c'est pas grave, on en a un autre de rechange. Alors, comme nous le faisons en début de chaque émission, d'abord nous saluons les uns et les autres. Merci de votre fidélité. Vous êtes nombreux. On n'aurait même plus à calculer combien vous êtes parce que je viens de découvrir ce matin que certaines personnes relayaient sur leur propre page Facebook les directs. Donc, ce qui fait que ça fait un effet boule de neige, et c'est tant mieux, plus l'information circule et mieux c'est. Voilà, donc allons-y, allons-y, allons-y. Je salue Claude. Je tenais également à remercier ce matin parce que j'ai eu une longue conversation avec un conseiller professionnel au niveau du son. Et donc, il m'a donné quelques indications pour éviter d'avoir des interférences. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent et surtout pour les intervenants, on vous demande premièrement d'éviter, quand vous êtes à l'antenne, de discuter avec d'autres personnes sur votre page Facebook parce qu'à chaque fois, il y a des clink, clink, clink et c'est vraiment désagréable. Deuxièmement, quand vous êtes en interview, quand vous êtes en direct, on vous demande surtout de demander à votre entourage de ne pas du tout utiliser une ligne téléphonique à partir de votre box ou box SFR, Bouygues ou chez Orange. Voilà, il ne faut surtout pas parce que les interférences que nous avons eues ces derniers temps, ça provient de là, ça provient finalement du fait que vous êtes en direct et que quelqu'un de votre famille prend le fixe et appelle. Et c'est ce qui s'est passé hier avec la mamie. Donc la mamie, elle a raison d'appeler son petit-fils ou sa petite-fille, mais il faut le faire en dehors des directs. Voilà, ça c'est la première chose. Donc je tenais à remercier notre conseiller audio qui ce matin nous a appelé. Je salue encore là, il y a du monde qui arrive. Et puis aussi autre chose pour ceux qui font les directs, c'est-à-dire les intervenants, on vous demande, s'il vous plaît, de ne plus boire à la bouteille. Parce que c'est vrai que pour les internautes, ce n'est pas très agréable. Vous pouvez, en l'occurrence, boire avec un verre. C'est très élégant de boire avec un verre, puis c'est même joli, puisqu'il prouve que si vous êtes humain. Voilà, ce sont les conseils du jour, et nous remercions donc notre conseiller technique de ce matin. Il se reconnaîtra, puisqu'il est actuellement en ligne. Merci à lui de ses précisions. Donc aujourd'hui, eh bien, nous sommes le 6 mai, nous fêtons les prudences, les prudis, les prudentiens, en l'honneur de Sainte Prudence, une religieuse qui fonda un couvent à Côme Ussa, en Italie. Elle est morte en 1492. Le prénom de Prudence vient du mot prudens, qui signifie, en étymologie latine, sage. Mais nous fêtons également les Lucias et les Lucius, qui sont en l'honneur de Sainte Lucius de Cyrigène, mentionné comme docteur de l'église d'Antioche. Tout cela au premier siècle de notre ère, donc ça remonte il y a donc 1900 et quelques, quoi. Le prénom Lucie vient du mot lux qui signifie lumière, toujours de l'étymologie latine. Et puis, comme le veut la tradition, nous allons donc avoir eh bien, notre billet d'humeur, la poésie de la journée. Dansez votre ver de terre. Si, à la nuit brune, protégée par la lune, vous lui faites compter fleurette au ver luisant, c'est gagné. Solution de secours, abritez-le sous la pluie. Voilà,
Voilà qui est fait. Alors, on a effectivement Yo-Yo qui essaye de nous appeler. Alors, hop, donc je vais fermer ceci. Je vais quitter Skype. Et puis, je vais relancer l'appel pour que les uns et les autres... Attendez, on va faire ça proprement. On va vous faire ça en attendant. On va vous faire ça, voilà, pour que vous puissiez profiter quand même de ce que nous faisons. Et en attendant, je vais relancer donc Skype pour permettre aux uns et aux autres de se connecter. Voilà, et bien, ça demande, c'est vrai que les prises d'antenne, alors peut-être que démarre une conversation, voilà qui est faite, la réunion, on rejoint l'appel, on partage, partager, rejoindre l'appel, voilà. Est-ce que nous avons Yo-Yo, parfait. Il ne manque plus que maintenant que William. Alors, est-ce que William va nous recevoir? Voilà, ajouter. On devrait, pratiquement tout le monde devrait être... Il est sage, regardez comme il est sage. Regardez comme il est sage. Voilà, ils sont là. Regardez, ils sont là tous les deux. Bravo, super. Bon, alors moi, je vais m'éclipser. Ce qui était convenu avec William, quand je lève le doigt, donc seul William et Yo-Yo peuvent me voir, quand je lève le doigt, c'est uniquement pour intervenir pour les questions des internautes. Voilà, maintenant, eh bien, je me tais et je laisse donc la place à notre invité Yo-Yo, qui sera donc interviewé par William. À toi, William. Salut Yo-Yo et salut à tout le monde. Salut William, bonjour tout le monde. Ouais. Donc on va revenir un petit peu donc sur ton parcours en tant que joueur et puis en tant que président de Marseille. Donc du coup tu es né donc à Martigues en 1966, c'est ça? C'est ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire du coup en quelle année tu es venu au basket fauteuil et dans quel club? J'ai suis né avec une malformation, donc j'ai toujours été suivi dans les hôpitaux à Hyères, parce qu'il n'y avait que là qu'il y avait des hôpitaux. Et c'est en 1989 que j'ai été remarqué dans un hôpital sur Hyères, et qu'on m'a demandé de venir intégrer le club de Hyères qui jouait à l'époque en National 3. Donc, j'ai commencé en 1989 ailleurs, en National 3. Et du coup, donc après hier, tu es resté quelle année et est-ce que tu as fait d'autres clubs? J'ai vu que tu étais notamment passé par la Hollande, l'Angleterre, l'Italie. Est-ce que tu peux nous faire un bref résumé de ton parcours en club? Je suis resté jusqu'en 1996 ailleurs. Ensuite, je suis parti jouer en Italie, à Naples, et je suis revenu à Hyères en 98, et j'ai quitté Hyères en 2013, donc j'étais plus de 25 ans. J'avais pu lire que tu avais fait l'Angleterre et la Hollande. j'ai pas joué dans ces pays, mais je m'y suis beaucoup entraîné. D'accord. J'avais des relations et je m'entraînais en Hollande, en Allemagne et en Angleterre, beaucoup. Et pourquoi ne pas avoir joué dans ces pays-là? Ah, c'était le travail, c'était très compliqué au niveau du travail. Je travaillais, j'étais fonctionnaire, j'avais déjà pris 2 ans de congé sans solde. J'avais le droit de repartir, mais de par mon poste au service des sports, c'était très compliqué. Donc, j'ai préféré voyager. Oui, Richard. On a déjà une question, Richard? Pas forcément des questions, mais plein de gens, tu t'imagines bien, Yo-Yo qui te salue. Alors je passe quand même parce que les internautes ont importance. Il y a Jérôme Clichy qui dit bonjour. Il y a également Alexandre Farugia qui dit bonjour à tous et bis à Agnès. Alexandre qui dit salut Yo-Yo. Rachid Kaysia qui dit bisous mon Yo-Yo.
Toujours Jérôme Clichy, salut Yo-Yo, heureux de te voir. Et puis Claude, que tu dois connaître, salut Yo-Yo, tu as le bonjour du père du pauvre C, trois petits points, avec des smileys. Voilà, c'était juste pour permettre aux internautes de savoir qu'ils étaient bien connectés et qu'ils attendaient avec impatience justement cette interview. Voilà, je te redonne la parole. Très bien. Donc du coup, oui, tu disais que tu t'étais entraîné donc en Allemagne, en Angleterre, et que du coup, tu avais des obligations professionnelles. Donc du coup, tu le faisais sur tes congés ? Non, parce que moi, j'ai toujours dit la vérité. J'avais un maire qui était assez cool. Et on me donnait la possibilité de travailler 3 jours d'affilée en faisant mes 35 heures à l'époque et de pouvoir partir 4 jours. Même si je manquais un jour ou deux, on me disait rien, j'étais assez bien placé à la mairie. Donc, puis j'avais l'avantage, mon président de l'époque, M. Lagarde, était mon maire. Donc c'était un petit peu plus facile. William, tu es toujours là? Alors, je pense qu'il y a un problème de connexion, je vais prendre la relève. Du fait que tu aies justement cette liberté avec le maire, et que tu as pu aller justement comme ça dans les différents pays, qu'est-ce qui t'a motivé par exemple à choisir ces pays plutôt par exemple que l'Espagne ou l'Italie, ou après tu as sévi, hein, ça après je laisse ça William se débrouiller, juste la question, j'ai fait le tampon, pourquoi tu as choisi finalement ces deux pays, l'Angleterre et l'Allemagne, et pourquoi pas l'Espagne, qui est quand même beaucoup plus proche, et puis tu n'avais pas cette mer à traverser, alors pourquoi ces deux pays Je suis resté en couple avec une Hollandaise pendant 4 ans, d'où les voyages. Voilà la raison, histoire de cœur. Et je suis resté en couple avec une Anglaise depuis plus de 20 ans, puisqu'elle est devenue ma femme et on a 3 enfants. Voilà la raison de voyage. Donc de la Hollande, elle habitait à la frontière allemande, donc on allait s'entraîner sur Osnabrück. Et c'est pour ça que je me suis entraîné dans ces pays-là. Par contre, j'ai découvert, des coutumes, basketballement parlant, différentes de nous en France à l'époque. Et ça m'a beaucoup aidé par la suite dans mes clubs et dans ma carrière, ça m'a aussi beaucoup aidé. Merci Richard d'avoir fait le tampon, du coup. J'ai eu un petit problème de déconnexion. Donc du coup, on va revenir à ton parcours club. Hier, ton premier club, ensuite tu es parti donc en Italie et puis t'entraîner un petit peu en Allemagne et en Angleterre. Est-ce qu'il y a un autre championnat qui t'aurait intéressé de tester? À l'époque, non. Honnêtement, non. J'avais été approché par beaucoup de clubs, bien entendu. J'avais été approché par la ONCE à l'époque, quand on a été champion d'Europe, et puis ça ne me branchait pas de partir en Espagne, comme d'ailleurs en Italie. Hein. En Italie, je le dis franchement, je suis parti un peu avec l'appréhension, surtout Naples, quand on me disait attention, que les voleurs, que les bandits, que j'y là, mais je n'étais pas prêt spécialement pour partir jouer à l'étranger. Et puis je me suis dit, j'avais 28-29 ans, je me suis dit, bon, c'est le moment d'avoir une expérience un peu internationale, de voir un peu autre chose, de faire autre chose. Donc j'avais atteint mes objectifs en France, j'avais des objectifs. Et puis, je n'avais pas spécialement de pays en vue, mais l'Allemagne était bien, et la Hollande aussi, au basket, l'Allemagne était très bien. Alors, une question de l'internaute. Oui, non, c'est plus que des questions, parce que là, le son, quand Yo-Yo parle, ça grésille. Donc, je pense que tu dois... Est-ce que, non, c'est par rapport à ton ordinateur. Soit tu rapproches-toi. Alors, peut-être ce que tu peux faire, Yo-Yo, c'est te déconnecter, te reconnecter. Tu sors et tu reviens. Peut-être que ça va enlever le grésillement, parce qu'effectivement, pour les internautes, tout le monde dit qu'on ne comprend pas Yo-Yo, et c'est dommage.
et que le son est horrible. Voilà. De toute façon, on ne m'a jamais compris. Donc, attends, alors, je vais essayer avant de me déconnecter. Là, là, par contre, t'es bien là. Ah. Donc, ah, c'est parce que. Ben, c'est pourquoi c'est parce que. Fait, alors. Non, voilà, parce que tu es trop loin. Il faut que tu te rapproches. Je pense que le fait, voilà, je pense que le fait d'être trop loin, le son, le fait qu'il arrive devant le micro, il se perturbe. Elle a essayé comme ça. Il faut que tu restes approché, Yo-Yo. Est-ce que vous m'entendez mieux? Voilà. Est-ce que là, donc, on entend. Donc, Yo-Yo va parler. Vous me dites, vous, les internautes, si le son est meilleur. Vas-y, allez-y, reprenez. Vas-y, William. Oui. Donc, du coup, est-ce que attends, tu peux revenir un petit peu? Attends, oui. Une seconde. Il a oublié quoi? Qu'a-t-il oublié, Yo-Yo? Une seconde. Bon, ben voilà, c'est ce qui s'appelle du vrai direct. Et ben pendant ce temps-là. Les aléas du direct. Voilà, les aléas du direct. Et ben pendant ce temps-là, on va passer voilà, la bande-annonce. Là, voilà, il est revenu, le Yo-Yo. Peut-être que. Si on parle peut-être bien, là. Voilà, alors, voilà. Allons-y pour voir. William, je t'écoute. Oui. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton palmarès en club, notamment, du coup, avec hier et puis Naples? Alors hier c'est l'équipe de champion de France de National 3, National 2, National 1B, à savoir qu'à l'époque la National 1B, l'antichambre de la MMA, c'était très 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 difficile. Ensuite on a fini 8 ans deuxième. On a fini 8 ans vice-champion de France derrière moi. Et puis, on a décroché enfin le Graal en 2000. On a gagné comment être champion de France. Donc, c'est plusieurs titres de champion de France. Et on a gagné toute la France d'affilée. Donc, belle période ailleurs. Comme j'avais atteint mes objectifs, c'est ce que je voulais. Je suis parti en Italie. Et là, j'ai rentré à Naples. Et une saison, on a gagné la Coupe d'Italie. On a perdu la finale du championnat d'Italie. Et on a perdu en finale la Coupe d'Europe des clubs champions. T'entends pas très bien, Yo-Yo, par contre? Parce que. Est-ce que Yo-Yo, tu peux tu as des à tes souhaits, à tes tu as. Merci. Voilà, mets un casque, voilà. Je vais essayer de mettre un casque, vous allez me dire si ça passe mieux. Voilà, parce que là, moi déjà de mon côté, j'essaie déjà d'arranger le son. William, est-ce que tu m'entends? Oui, là je t'entends, oui. C'est mieux? Richard, c'est mieux? Oui, a priori pour moi c'est bon, mais c'est le fait que ça reparte, c'est le son quoi. Donc dites-moi vous les internautes si le son maintenant est plus agréable pour vous. Vas-y, allez-y. Donc du coup j'ai pas très bien entendu sur la fin de l'Italie. L'Italie, on est vice-champion d'Italie avec Naples, on est vice-champion d'Europe et on est vainqueur de la Coupe d'Italie. Et du coup, avec hier, au niveau de la Coupe d'Europe On a commencé la première en 1993, Coupe des Champions, où on est allé en finale, à Madrid. Et puis, jusqu'à la fin, on a pratiquement participé toutes les années. On n'a pas gagné de titre avec hier. Mais on est arrivé. On est arrivé chaque année à se qualifier et à jouer des grosses coupes qu'on faisait essentiellement la Coupe des Champions. Très bien. Donc un très beau parcours en club, mais du coup tu as aussi fait une carrière en équipe de France. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette carrière, notamment ta première sélection, la dernière? Alors l'équipe de France, c'est ma première sélection se passe à Stockmanville en 1991. C'est champion d'Europe espoir, avec les joueurs qui seront plus tard dans ma génération, comme Mario Farazman, Aboukir, Zila, Terezo, enfin c'est ma génération. On est tous donc on est champion d'Europe espoir là, à Stockmanville en 91.
Je ne fais pas les Jeux Olympiques de Barcelone. Et puis je reviens en 93 et jusqu'à Pékin, jusqu'à Bestlar exactement en 2007. J'ai pu quitter l'équipe de France. J'ai eu la chance de faire 3 Olympiades, 4 championnats du monde et X championnats d'Europe. Et du coup, cette première sélection, elle remonte à quand exactement? Janvier, février 1991. 91, ok. On peut revenir du coup, donc tu disais, donc 3 Paralympiades, plusieurs euros, 4 championnats du monde. Sur le palmarès lors de ces grosses compétitions avec l'équipe de France. Oui, on a gagné 3 titres de champion d'Europe d'affilée. Donc on est resté. C'est une fierté hein, de dire que pendant 8 ans, on est invaincu en Europe. Ensuite, les champions du monde des Jeux Olympiques, il y a eu de la casse. Il y a eu de la casse avec par exemple, le champion du monde à Edmonton, où on finit quatrième alors qu'on est invaincu jusqu'en demi-finale. Les Jeux d'Atlanta, c'est la même chose. Athènes, c'est la pire des compétitions qu'on ait faites. Et Sydney, on se blesse. Bruno Godefroy se blesse à Sydney. Moi, je me blesse là-bas aussi. Je me casse les côtes la veille de la compétition. Donc, c'est des regrets, mais ce sont des belles expériences. Et c'est un beau parcours aussi en international. Oui, effectivement, un gros parcours et on peut comprendre qu'il y ait des regrets quand il y a des blessures parce que du coup, c'est pas des choses qu'on maîtrise et ça fausse un peu les résultats. Malheureusement, ça fait partie du jeu et il faut faire avec. Sur tes deux carrières, que ce soit en équipe de France ou en club, est-ce que tu as un joueur qui t'a marqué dans ta carrière? La question. Tu peux en mettre deux ou trois si tu veux. Hein. Disons que si. Alors, si on fait. Si je me remémore, parce que j'ai une très très bonne mémoire, celui qui m'a donné envie de jouer en équipe de France, qui m'a donné envie de jouer au haut niveau, que je jouais déjà depuis un an hier, c'est un joueur qui s'appelait Michel Gradel. Que je suis allé voir jouer à Montpellier avec l'équipe de France contre la Hollande. Et quand je l'ai vu sur le terrain, pour moi, c'était un extraterrestre. Je ne savais pas ce que c'était le basket à ce moment-là. Et lui, il m'a vraiment marqué. Ensuite, je voulais être, et je pense que j'y suis arrivé, je voulais être aussi adroit que Philippe B, parce qu'à l'époque, c'était... C'était le shooter mondial que tout le monde redoutait. Donc, c'est lui aussi qui m'a donné cette envie de shooter avec la planche à 45. Oui, Richard. Non, vas-y, fini. Et puis de ma génération, beaucoup de joueurs. Mario, Jean-Denis, Charles, José... Bruno, j'en oublie beaucoup, mais Riyad Salem avec l'handicap qu'il a, faire ce qu'il faisait. Il y a beaucoup de joueurs qui m'ont marqué. Mais par contre, comme j'écoutais la dernière fois ton interview avec Philippe et Sam, il y a beaucoup de jeunes joueurs aussi qui me marquent aujourd'hui. Beaucoup. Quelques noms? Des noms. On va les laisser à la maison, comme ça, ils vont continuer à grandir. Alors, je vais donc juste une rectification, et ça, je pense qu'on peut faire confiance à Mister Basket, à Jean-Claude Boucher, que nous saluons, qui dit, alors attention, désolé, mais hier n'a jamais été en finale de la Coupe des Champions. Voilà, et quand Jean-Claude Boucher dit ça,
Ça peut être comme parole d'évangile. Bon, voilà. Et puis la deuxième de Frédéric Toyoung qui dit « Comment Yo-Yo s'est cassé les côtes ?» Alors, pour répondre à Jean-Claude Boucher, quand je dis au final, c'est les phases finales, bien entendu. Parce qu'à l'époque, se qualifier pour les phases finales, comme aujourd'hui, hein, pour être dans les 8 dernières, c'était déjà costaud. Mo en a gagné 3, mais c'était très très difficile d'être dans les phases finales. Donc oui, Jean-Claude, on n'a pas participé à la finale de la Coupe des Champions, mais les phases finales de Coupe des Champions, on en a fait beaucoup avec hier. Et le fracture des côtes, qui c'est qui pose la question? C'est Frédéric Toyoung. Qui? Frédéric Toyoung. Tu le connais? Ouais. Merci, merci Fred, merci, c'est gentil. Donc, on est à Nouméa, et on est en préparation donc, de la compétition qui arrive. Et championnat du monde de championnat du monde 1998. Et on va faire une balade en bateau avec tout le club France. Et je m'installe à l'avant du bateau et le mec commence à envoyer les gaz. Le bateau commence à décoller de plus en plus fort. Et je me tenais, et à un moment donné, avec le kiné devant, on a lâché tous les deux pour retomber sur l'embase du bateau et je me suis fracturé deux fois. Merci Fred. Bon, ce qui prouve que tu n'as pas le pied marin. Voilà, ça c'est. Voilà, c'est pour un Marseillais, c'est un peu un paradoxe. William. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau des joueurs. Est-ce qu'il y a un entraîneur qui t'a marqué? Entraîneur ou sélectionneur, hein. Ben, on a eu Jean-Paul Soriano comme entraîneur. Qui était dur mais qui était bon. Qui était humain surtout. On a eu Maurice Schumacher avec des hauts débats comme tout le monde. Un entraîneur français qui m'est marqué par son impact sur le terrain, pas spécialement. Comment tu expliques justement le fait que tu n'as pas été impressionné justement par ses coachs ou ses entraîneurs finalement? Pourquoi tu n'as pas été impressionné? Parce que quand je regardais ce qui se passait à l'étranger, quand par exemple j'allais m'entraîner en Italie, en Angleterre, en Allemagne, et que je regardais les entraîneurs, et je regardais l'attitude des joueurs envers l'entraîneur, et pas le contraire, je me disais qu'on avait du travail nous aussi à faire de ce côté-là. J'ai vu des matchs gagnés en international par des entraîneurs, pas par les joueurs, mais par des entraîneurs. Et c'est là où je me suis dit, il nous a manqué cette petite fibre. Alors, je dénigre pas les entraîneurs qu'on a eus parce que je dis que c'était des bons entraîneurs aussi, mais on n'a pas eu ces entraîneurs qui arrivaient, qui avaient cette prestance où les joueurs se taisaient, les joueurs écoutaient, ils faisaient ce qu'on leur demandait. On est des latins, hein, on est forcément des latins et on restera des latins. Voilà, c'est ça peut-être qui a fait que, et moi le premier, je ne me suis pas comporté peut-être comme j'aurais dû me comporter avec des grands entraîneurs. Alors justement, il y a Jean-Pascal Lafont, et j'attends toujours tes photos, hein, qui dit « il les a tous fait fuir ». Et du coup, est-ce que tu peux nous donner un exemple de ces fameux coachs à l'étranger que tu voyais un peu comme ça, comme des personnes avec beaucoup de charisme et qui savaient tenir leurs joueurs en fait.
Oh, oui, il y a eu des grands. Alors, il y a eu Vanek en Hollande. Il y a eu son frère qui est... Alors, Vanek avait les filles, son frère avait les garçons. Donc, champion olympique, champion du monde, les deux. En Italie, il y avait Carlo Di Giusto et il avait un Américain avec lui. On a eu un entraîneur, Mark Lloyd, je crois qu'il s'appelait, australien, qui coachait l'équipe nationale d'Angleterre. On a eu un entraîneur américain, où j'ai vu de mes yeux la finale de la finale. La finale de la Coupe du Monde 98, Hollande, États-Unis, et les entraîneurs que jouaient, ce n'est pas les joueurs. C'est-à-dire que quand les Américains mettaient un 5 rapide sur le terrain, les Hollandais mettaient un 5 lent. Quand les Américains comprenaient, changeaient, mettaient un 5 lent, les Hollandais mettaient un 5 rapide. Quand les Américains mettaient un 5 petit, les Hollandais mettaient un 5 grand. Ça a été comme ça pendant 40 minutes. Ça a été une super finale. Et... Ouais, j'ai vu des grands entraîneurs comme ça aussi. Ouais. Une question, Yo-Yo. Est-ce que justement la différence entre les coachs en France et à l'étranger, est-ce que ça ne vient pas aussi un peu de la structure, mais également de la connaissance et de la culture basket ? C'est le discours que j'ai depuis très très longtemps. Où je dis toujours que dans un staff, il doit y avoir d'anciens joueurs, et c'est le cas de à peu près partout. Il doit y avoir d'anciens joueurs qui soient dans le staff, peu importe leur position, qu'ils soient coach ou head coach, ou même troisième head coach, ça n'a pas d'importance, mais on doit s'appuyer sur l'expérience des joueurs étrangers. À savoir que dans beaucoup de pays, ce sont quand même des anciens joueurs qui sont rentrés dans les staffs pour aider les plus jeunes aujourd'hui. Et on connaît la génération des 20-25 dernières années. On connaît ces joueurs et on connaît ces entraîneurs. Donc, et la culture après de dire on est entraîneur ou on n'est pas entraîneur, c'est un débat que j'ai suivi de toute façon ces derniers jours. Moi je pense déjà qu'un entraîneur doit avoir coaché, il doit avoir entraîné, parce que si on n'a pas coaché, si on n'a pas entraîné, c'est très difficile. On peut pas prendre une équipe, surtout nationale, sans avoir coaché, sans avoir entraîné, c'est pas possible. On peut avoir des bases, on peut avoir un diplôme, peu importe les termes, on peut rentrer dans le staff, mais si on n'a jamais coaché, si on n'a jamais entraîné, ça ne s'acquiert pas en deux stages, trois stages, cinq stages ou une compétition, c'est pas possible. Donc je crois qu'il faut redonner aussi un peu les cartes aux acteurs qui ont fait ça pendant X années. Je parle des entraîneurs comme tous les entraîneurs en France, comme toi William. Je pense qu'à eux, on doit leur donner ça et permettre à certains anciens joueurs ou joueuses, hein, c'est pas forcément masculin, de rentrer dans les staffs et d'aider les équipes nationales. Alors, tu as deux personnes. Tu as Alexandre Farugia qui dit très juste yo-yo et Jérôme Clichy qui conclut en disant absolument. Voilà. Donc, tes paroles sont vraiment bues comme un nectar. Non, mais en même temps, le but, justement, c'est de dire aussi ce qui va et ce qui ne va pas. Le but, c'est ça, hein, de ces émissions. On sait que tu auras l'occasion d'en parler plus longuement avec quand tu seras l'invité de Parole de Coach avec Claude, Daniel et Charles. Aujourd'hui, on reste uniquement sur ton parcours, mais ce n'est pas parce qu'on fait une interview que tu dois rester bien sobre. Voilà, tu vas dire ce que toi, tu as envie de dire. Voilà, excuse-moi. À toi, William. On va rester juste un petit instant du coup sur l'équipe de France actuelle. Toi qui as connu du coup les heures de gloire de l'équipe de France, ton regard sur l'équipe de France actuelle ? Aujourd'hui, je crois qu'on s'est trompé de
On s'est trompé de destination. On s'est trompé complètement dans la construction de cette équipe-là. Alors, moi, on me connaît pour dire ce que je pensais. Et j'ai toujours dit ce que je pensais, je resterai debout. À mes yeux, il est presque trop tard pour Paris 2024. Et il faut dire les choses comme elles sont. On ne pourra pas aller à Paris avec une équipe qu'on va fabriquer aujourd'hui pour des Jeux à Paris 24. J'ai rien contre les joueurs, moi je suis joueur, je suis président. Enfin, j'ai beaucoup de mal quand j'entends certains noms là qui devraient revenir en équipe de France, qui devraient participer. J'ai beaucoup de mal avec ça. Et je pense qu'on aurait dû peut-être mettre, c'est ce que je prends hein, depuis déjà quelques années, Rassemblement annuel des clubs, là, la jeunesse. Et je pense que depuis quelques années, on aurait dû déjà préparer cette équipe avec beaucoup de jeunes, pour qu'arriver à Paris en 2024, ils aient 22, 23, 24, 25 ans, et non partir avec des joueurs encore qui arriveront à Paris à 40, 42, 45 ans. C'est une fois de plus, on a mis la charrette avant les bœufs, et qu'on n'a encore pas compris comment on devait fonctionner. Donc, moi, je le dis aujourd'hui, ça n'engage que moi, ce sont mes propos. Si on part dans une optique, comme j'entends depuis ces derniers mois, de partir à Paris avec cette équipe de joueurs qui devraient revenir, ça et tout, c'est complètement raté déjà. Avant de commencer la compétition, c'est complètement raté. Faisons confiance aux jeunes, aux très très jeunes. Alors si vous voulez des noms, je vais vous donner des noms. Parce qu'on a des jeunes aujourd'hui en France, on a des garçons comme Ramonet, Macumbo, comme Manu Gomez. Manu Gomez aujourd'hui, il a 17 ans. À Paris, il aura 22 ans ou 23 ans. Quoi. C'est ça la relève. Et c'est M. Hugo Barbe, à 10 ans, qui a 18 ans. C'est ces jeunes-là que nous devons préparer aujourd'hui pour aller à Paris. C'est avec ces jeunes-là que nous devons partir. Pas avec des pseudos encore joueurs de l'équipe de France d'aujourd'hui. Non, c'est fini. Il faut tirer un trait, il faut tirer la page. Et puis surtout, reconstruire vite, vite, vite. Parce que si on ne repart pas avec une équipe à 80% de jeunes, on fera rien. Et j'irai plus loin. On va mettre très, 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 très longtemps à se relever. Voir à faire ce que font nos amis sans manquer de respect. À la Suisse, à la Belgique, à ces pays-là qui n'arrivent pas à se relever depuis des années, des années, des années. Et on est parti pour faire ça. Voilà. Chez les garçons et chez les filles, ça devient aussi compliqué. On parlait des garçons, mais il y a les filles. Quand on voit le dernier championnat d'Europe, l'Espagne, j'ai parlé avec le dirigeant français en demandant si c'était possible de se qualifier et tout. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on n'a pas les joueuses au poste qu'on voudrait. Donc ça, c'est aussi, on va dire, une malchance, on en dit, de ne pas avoir de pivot, de ne pas avoir une super meneuse. Enfin, c'est des générations, c'est comme ça. Mais par contre, à la différence des hommes, j'ai trouvé plus respectable le travail des filles et surtout beaucoup plus soigné. Les stages sont de rigueur, on en fait beaucoup. Les rassemblements, il y a un vrai groupe, et il y a un vrai staff. Qu'il soit bon ou pas bon, il y a un staff, mais c'était plus cohérent. C'est les garçons, c'est de la rigolade. Ce qu'on a fait là, c'est ces 8 dernières années, c'est de la rigolade. Faut pas que je déballe trop là-dessus parce que j'ai beaucoup d'amertume par rapport à ça. Faut comprendre que quand on a passé 17, 18, 20 ans en équipe de France, on a toujours beaucoup d'envie et beaucoup d'attention à regarder ces jeunes arriver, à nous remplacer, à être plus fort que nous. On espère toujours qu'ils soient plus forts que nous et qu'ils nous rendent encore plus fiers et plus forts pour la France. Et pour les générations qui arrivent derrière. Et malheureusement, on n'a pas fait ce travail-là. Nous, on ne l'a pas fait.
beaucoup de pays dans lesquels on n'a pas fait. Très bien, merci. C'était juste pour avoir un peu l'œil d'un joueur qui a connu l'équipe de France et par rapport à ce qu'elle est devenue. Voilà. Donc après, on peut comprendre qu'il y ait de l'amertume ou ce genre de sentiment quand on a connu les heures de gloire de cette équipe et de la voir un petit peu dans les bas-fonds de la nationale, enfin du championnat A, c'est un petit peu compliqué. Donc, ça fait déjà une grosse demi-heure qu'on est sur ta carrière joueur. On va quand même revenir sur le côté président. Donc, président à Marseille. Pourquoi Marseille ? Ben, je suis revenu dans mon pays, comme on dit. J'avais l'opportunité de rentrer sur le port comme docker. C'est au moment où j'ai rencontré ma femme. J'avais déjà un enfant et à ce moment-là, j'ai gagné 3 ou 4 fois ce que j'ai gagné à la mairie. Donc, je n'ai pas hésité à revenir pour mettre ma famille dans de bonnes situations. J'ai continué à faire les allers-retours entre Marseille et hier pendant 6-7 ans. Ça devenait de plus en plus compliqué. J'ai arrêté. J'ai toujours été... alors, pour que les gens sachent aussi ce qui se passe à Marseille, c'est que c'est un club qu'on a construit il y a une trentaine d'années et avec des garçons comme Kossiama, comme Michel Romagnolo, comme Martial Touché, comme Damien. C'est un club qu'on a fait vivoter. On s'amusait, on avait des entraînements, on faisait des entraînements. Sur une trentaine d'années, on a dû faire peut-être 3-4 saisons de compétition, mais c'est surtout qu'on faisait des entraînements. Nous, on était essentiellement de Marseille, donc on venait, on s'entraînait avec eux. Moi, je donnais, par exemple, mes fauteuils de l'équipe de France à l'époque, je les laissais au club de Marseille. On amenait des ballons de hier, des chasubles. Donc, le club a toujours vivoté comme ça. Et puis, en 2007, on a remonté le club en compétition. On est resté quelques années à tout structurer. Puis, en 2012, on m'a demandé de reprendre une fois de plus la présidence parce que je l'avais été déjà 2 ou 3 fois, mais il n'y avait pas grand-chose à faire. Et en 2012, on a vraiment tout restructuré. Et on a attaqué les compétitions, où d'ailleurs j'ai compris ce que c'était que la vie de président. Et si c'était à refaire, je ne le referais pas. Ah bon, et pourquoi ? Quelles sont les raisons ? Pourquoi ? C'est un travail très ingrat, mais avant tout, comme beaucoup de présidents, je salue Alex qui nous écoute là, parce qu'il est là. On a un défaut, c'est qu'on fait passer le cœur avant le. On fait passer notre cœur avant le club et avant les objectifs et avant le sport. Et c'est très difficile quand on veut d'abord essayer d'aider les amis dans la vie de tous les jours avant de les aider dans le sport et tout. C'est très difficile et je pense que c'est ce qui nous différencie des autres. Des autres nations, des autres pays comme l'Italie, où tu arrives, tu es un joueur professionnel, ils n'en ont rien à faire de ta vie privée, ça les regarde pas, tu fais ce que tu veux, tu as des problèmes, tu n'as pas des problèmes, c'est pas les leurs, tu joues et tu t'en vas. Nous, en France, on a ce côté un peu papa avant d'être président qui est très difficile, et puis après, tout ce qu'engendre une saison, tout ce qu'il faut faire, toute la logistique d'une saison de basket qui est très très dure. Et peu importe, moi je dis toujours, peu importe le niveau, que ce soit de la 1A, de la 1B, de la 1C, de la 2, les saisons sont très difficiles à gérer. Il y a des déplacements, il y a des contraintes, il y a gérer les équipes, il y a gérer les coachs. Enfin, donc c'est quand même assez contraignant. Et des fois je dis que c'est peut-être plus épuisant que joueur. Peut-être plus épuisant que vous, là. Oui, parce que finalement, le joueur, il arrive, il fait son match, il rentre chez lui, il débriefe et puis il se repose. Le président, il doit penser à l'entraînement, au coach, au déplacement, aux subventions, à la promotion, au bien-être des uns, au bien-être des autres, sans négliger sa famille. Donc, ça fait quand même beaucoup d'aspects sur lesquels le président doit avoir une importance et capitale. Mais on sait aussi très bien que s'il n'y a pas un bon président, il n'y a pas de bon club. Aussi, ça peut être vrai aussi. Ah non, c'est pas que ça peut être.
C'est vrai. Si le président n'a pas la tête sur les épaules, si le président n'a pas d'objectif, si le président n'a pas d'ambition, le club va vivoter et le club va durer un certain temps et il va disparaître. Bon, ben alors, on dira que moi, je suis un bon président. Ça bah, exactement. Yo-yo président. Comme tous les présidents hein, qui nous écoutent et qui sont à la tête de leur club depuis de nombreuses années, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte le travail, surtout que c'est un travail ingrat et obscur que font les présidents, parce que des fois, encore à 11 heures, ils sont en train d'essayer de trouver une solution. Le matin, dès qu'ils se lèvent, la première chose, même avant d'embrasser leur épouse, ils sont encore dans le lit, ils disent « bon, ben, ce problème, j'ai à le régler, j'ai encore souci à régler ». Et après, on fait un bisou à sa bien-aimée. Donc, ça veut dire que le basket, il est en permanence dans la tête du président. En permanence. Quand je dis en permanence, même quand il s'amuse, il y a toujours derrière le basket qui dit est-ce que j'ai bien fait ? Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Et qu'est-ce que je dois encore faire pour améliorer, les compétences de mon club ? Et surtout, penser au bien-être aussi des bénévoles qui entourent. C'est important. Prendre soin des bénévoles. Ouais, c'est très important. On néglige l'importance des bénévoles et après le bien-être des joueurs. Et après, il faut gérer les joueurs aussi et le coach. Donc, ça fait beaucoup de choses pour un président. Voilà, moi, j'ai fini de faire mon tunnel, comme on dit. Ben, disons que tu as raison dans ce que tu dis, Richard. Les bénévoles, sont le plus important parce que sans les bénévoles, on ne peut pas y arriver. C'est pas possible. On peut avoir tout l'argent du monde, on peut avoir les meilleurs joueurs, on peut avoir le meilleur coach. Sans les bénévoles, on ne peut pas y arriver. C'est notre source, c'est notre moteur. Ce sont eux qui font vivre les associations. Après, quand tu es un président, c'est ce que je dis toujours, moi, par exemple, à Marseille, quand tu es un président respecté, tu n'as aucun problème ni de notoriété, ni d'asseoir, ni d'arriver dans un gymnase en criant ou en disant c'est moi le président, t'as pas besoin de faire ça. Quand les gens te respectent, le club marche tout seul et tout va bien. Donc, et puis surtout quand les gens voient que tu es à leur côté, quand tu les défends, quand tu t'occupes d'eux, quand tu les aides, donc ça va encore beaucoup mieux. Mais c'est très 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 difficile, très 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 éprouvant. Et il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'un président, hormis le fait qu'il se batte dans son club avec ses collectivités territoriales, avec l'ensemble de ses joueurs, entraîneurs, staff et tout le Bataclan, il faut aussi qu'il se batte avec la commission de basket et il faut aussi qu'il se batte avec la Fédération française handisport. Et là, je peux vous dire qu'il y a des drôles de parties qui se jouent aussi. Alors, je te coupe, Richard, la différence qu'il y avait. À l'époque, alors j'aime pas parler au passé parce que chaque génération a eu la sienne et tant mieux. Et celle d'aujourd'hui, il faut l'aider, nous les anciens, il faut qu'on l'aide à vivre la leur. Mais par exemple, il y a un truc qui me plaisait beaucoup à l'époque, c'est quand j'ai commencé à comprendre le fonctionnement et que je voyais tous les présidents, enfin, beaucoup de présidents dans les commissions, des présidents comme... Roussel, comme Alex, comme Philippe Lagarde, comme celui de Lannion, enfin, tous ces présidents qui appartenaient à des commissions et qui faisaient vivre aussi le basket à travers leur club, mais à travers les commissions. On avait un magazine qui s'appelait, j'en parlais il n'y a pas longtemps, qui s'appelait le Handy Basket Magazine, qu'on recevait tous les mois, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Richard, où on avait tout ce qui se passait sur toutes les divisions. Tous les championnats de France, bien sûr, tout ce qui s'était passé sur les terrains, ça, aujourd'hui, avec le numérique, avec les réseaux sociaux, tout, c'est encore plus facile qu'à l'époque. Mm-hmm. Et pourtant, on ne le fait pas. Donc, on a là aussi les présidents. Moi, je le redis, je le redis encore. L'autre jour, j'ai entendu M. Binot qui disait on va donner. L'opportunité à un président de représenter le président de ça et tout. Alors d'une, c'est pas à lui de le faire, c'est à nous les présidents de le faire. Et puis de deux, c'est à nous de nous entendre parce que il y a les présidents de 1A, mais il y a aussi les présidents de 1B, de 1C et de National 2. Et alors, forcément, les... Yo-Yo, excuse-moi de te couper, je pense que tout cet aspect
relations président et fédération et commission, je pense qu'on va leur réserver quand tu seras invité dans Parole de coach. Voilà, parce que là, alors non pas que je veuille dire que William, tu en as pas les capacités, mais aujourd'hui c'est plutôt le parcours du de yo-yo. Et parce que donc après il va falloir te convenir justement une émission où tu vas être l'invité de Parole de coach avec Claude, Daniel et Charles Dilla, où là, eh bien, ça sera la relation du président, enfin des présidents et la commission de la Fédé. Voilà, donc il faut essayer aujourd'hui de ne pas partir dans même si je sais que tu as beaucoup de choses à dire, mais tu auras l'occasion de dire tout cela dans une prochaine émission. Pour l'instant, je redonne la main à notre ami William. Et désolé, William. Hein. Non, mais il n'y a aucun souci. Hein. Donc, du coup, président de Marseille, combien de licenciés et combien d'équipes vous comptez à Marseille? Alors, on a 50, cette année, on a 51 licenciés. On a deux équipes. On a toujours eu, on va dire, entre 35 et 50 licenciés depuis 2012, depuis que j'ai repris la présidence. On a un joueur, ça représente à peu près 25-26 joueurs chaque année, entre la 1 et la 2. Et avec beaucoup de jeunes maintenant, des jeunes de 10, 12, 13, 15, 16, 17 ans, on a des jeunes maintenant. Et vous faites uniquement du basket, du coup, à Andissu de basket? On ne fait que du basket. On m'a demandé, d'ailleurs, j'ai un de mes joueurs qui est pratiquement qualifié pour partir au JO de Tokyo en tennis, qui s'appelle Nicolas Sarrier, qui fait basket-tennis, et je n'ai pas réussi à faire de l'omnisport, donc je lui ai dit de continuer tout seul, de partir au tennis. On a eu pareil, un joueur en athlétisme. C'est pas possible, pour moi c'est très difficile. Par contre, moi je suis preneur pour ces deux sportifs pour leur faire des interviews, hein, Yo-Yo. Hein. Pour Nicolas et l'athlétisme, nous sommes preneurs. Hein. Ça nous intéresse justement de les inviter. Ça va ouvrir encore sur d'autres disciplines. Vas-y, William. Deux équipes, une en National B, une en National 2. Les projets pour ces deux équipes à l'avenir? La Nationale 2, on est en train de, vite fait parce que sinon on va s'éterniser, on est en train de préparer un fascicule qu'on va remettre à toutes les écoles primaires, collèges, lycées de la région pour inviter le plus de jeunes à venir rejoindre le club. Et ça serait l'antichambre de la Lune avec un vrai coach en équipe 2. Et je superviserai l'équipe 2 avec l'expérience que j'ai. Et quant à l'équipe 1, donc on a un vrai coach aussi qui est Charles Zilla, on a un préparateur physique, un vrai préparateur de son métier, d'ailleurs il travaille de ça. L'objectif, il est clair, c'est d'être champion de France la saison prochaine et d'être champion de France du National A dans 2-3 ans, on va dire à court terme, mais en employant beaucoup de jeunes français. Un peu de mouvement du coup sur l'équipe première pour la saison prochaine. On a pratiquement fini l'équipe. Pratiquement. On a des arrivées. On n'a pas de départ pour le moment. Et on aurait 3 arrivées, donc 3 voire 4 arrivées. Donc oui, ça se finalise bien et puis surtout on a eu la chance, on fait des Skype, des réunions Skype tous les dimanches avec le club et nos partenaires financiers, entre autres Sébastien Bonny de la société Sèvres à Marseille et Stéphane Heuf, société IMA, nous ont donné des garanties d'être là toute la saison. Par rapport à ce qui se passe en ce moment avec le coronavirus, puisque les dossiers n'ont pas été traités sur la région PACA, et donc pour le moment, on n'aurait pas d'aide de collectivité territoriale. Et donc, ces deux partenaires-là nous ont déjà assuré de régler la saison pour la saison prochaine. Donc, on a de bons objectifs et ça s'annonce bien.
Deux questions, Yo-Yo. La première, celle de Jérôme Clichy, qui, on va revenir un peu sur ton passé de l'équipe de France, qui dit « jamais eu de contact pour être sélectionneur, voire assistant ». Et puis la deuxième question, plus personnelle, qu'est-ce que tu proposes aux joueurs pour venir justement compléter l'équipe de Marseille Alors, j'ai jamais été approché pour l'équipe de France. J'ai jamais eu de réelle proposition. Il y a un coach à l'époque qui m'avait dit ce serait bien qu'un garçon comme toi puisse arriver, mais aussi par rapport à mon caractère, c'est-à-dire à arriver à canaliser les joueurs et tout, mais sinon rien de vraiment concret. Quant à Marseille, on a fait le pari de faire une équipe de copains, un club d'amis d'abord, avant tout. Et donc ce que je propose, c'est tout ce que les clubs proposent, c'est la stabilité. La stabilité d'être dans une équipe engagée en championnat de France et d'arriver, comme tu disais tout à l'heure, le week-end sans avoir rien d'autre à penser que de jouer au basket et de rentrer sur le terrain et de faire des matchs de basket. Le reste, tout ça, ça appartient au club et il n'y a pas besoin de... Jérôme sait très bien comment ça marche dans les clubs. Il n'y a pas besoin de divulguer ce qui se passe autour. Essayons d'avoir déjà une belle, belle équipe de copains, et c'est le cas à Marseille, donc j'en suis très fier. Et c'est ça qui nous fait avancer et qui nous fait continuer. Est-ce que tu as l'intention encore de jouer longtemps, Yo-Yo ? Non, je pense que je vais arrêter. Je ne ferai pas de jubilé, hein, je ne suis pas... j'ai pas de... Non, je pense que je vais arrêter. C'est toujours pareil, on est sur deux joueurs dans ma catégorie, je suis 4 points. Si ces joueurs-là signent, j'arrêterai cette année. Et il n'y a que si vraiment il y a besoin de donner un coup de main où je serai présent, mais sinon, je pense que ma carrière s'arrête cette année, ma carrière de joueur. Mais est-ce qu'il y a en perspective une carrière d'entraîneur, de manager ? Est-ce qu'il y a... autre chose en perspective, parce que s'arrêter comme ça, on sait très bien que c'est pas possible. Hein. Quand on est joueur, on est accro. C'est le basket, c'est la balle orange qui circule dans notre corps. On peut pas l'enlever. Donc peut-être une suite, président, peut-être assistant, coach, peut-être de l'équipe 2 de Marseille. On ne sait pas de quoi est fait la. On ne sait pas de quoi est fait demain. Et c'est sûr que je jouerai quand même en équipe 2. Je resterai joué en équipe 2, mais moi, je parlais du haut niveau. Après, le reste, c'est le week-end, s'amuser avec les copains, c'est pas... Mais non, arrêter tout d'un coup le sport, non. Mais l'équipe 1, compétitive, probablement. William ? Moi, j'ai fait le tour un peu des questions que j'avais. J'aurais juste une dernière question plus personnelle. Pourquoi Yo-Yo ? Yo-Yo, c'est le... Quand je suis né, mon grand-père m'a enregistré à la mairie et mon prénom, c'est Yoïd. Voilà, donc je le dis maintenant, c'est national, c'est la première fois, c'est Yoïd. Et du coup, mon père a changé ce prénom quand j'avais 15 ans ou 16 ans, mais pendant 15 ans, les copains m'appelaient Yo-Yo et... Et c'est resté. Écoute, juste avant de conclure, quand même une question dans ton grand parcours, et c'est vrai qu'on pourrait encore en parler pendant des heures et des heures. Quels sont finalement les deux moments qui vont rester gravés à jamais dans ta mémoire ? Quels sont ces deux moments ? Est-ce que tu as un moment positif et un moment négatif, ou peut-être deux moments positifs ? Mais quels sont ces deux moments ? C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, hein. Il y a eu beaucoup de moments. Je veux dire que le premier, Il faut faire un choix. C'est très difficile. J'aime tout le monde. J'aime beaucoup de gens. J'ai eu cette
cette réputation d'être une grande gueule n'est pas méchant. Je m'entends pratiquement avec tout le monde. Je pense que mon plus beau moment, c'est mon premier titre de champion de France avec un certain Frédéric Tolhugue. C'est mon premier titre que j'attendais depuis très 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 longtemps. Alors, je parle de National 1A bien sûr, hein. Le premier titre de National 1A. Et peut-être que le moment négatif, c'est la fin de carrière, encore une fois, de M. Tolhugue, là, parce que on a brassé 25 ans ensemble et je me suis rendu compte que, quand je faisais son discours de départ, qu'il était là au début et il était là à la fin. C'est ce qui fait que ce sont des vrais amis qu'on a dans la vie. Et je pense que c'est le bon moment, c'est celui-là, le mauvais moment, c'est celui-là aussi. Eh bien, en tout cas, messieurs, merci. Alors, effectivement, attendez, je vais quand même vous remettre là. Donc, Jojo, on aura l'occasion de te revoir dans 15 jours. Il faut juste maintenant fixer une date avec Claude, Daniel et Charles et toi. Donc, après, on va s'arranger tous les cinq, comme les cinq doigts de la main, pour trouver une date qui va convenir à tout le monde. Et cette fois-ci, eh bien, l'objectif sera justement la relation des présidents avec la commission et la Fédé. William, merci d'avoir pris en charge, parce que moi, ça me soulage aussi, d'avoir pris en charge cette interview. On te retrouve demain. Alors, je ne sais pas si tu es dans les deux, mais en tout cas, on va te retrouver sur demain à 15h, parce que tu vas également animer, cette fois-ci, une émission musicale de rock, si j'ai bien entendu. Donc, on va se retrouver demain. Et puis, peut-être laisser la parole, les derniers mots à Yo-Yo, puisqu'on sait que dans un instant, on va de nouveau se plonger dans le basket avec l'ancien coach de l'équipe féminine de basket, puisque nous allons recevoir Pascal Monté, qui sera également interviewé avec Maria Buzo, et je l'en remercie. Yo-Yo, je te laisse le mot de la fin. Par quoi tu aimerais finalement conclure cette première interview, parce qu'on pourrait en faire d'autres, hein, et j'ai d'autres projets avec toi. On en a parlé un peu hier, mais bon, ça peut aussi se faire dans le temps. J'aimerais aussi que l'on puisse aussi rendre hommage aux basketteurs qui ont marqué notre discipline et qui malheureusement ont disparu. Donc je pensais à Gradel. Et puis peut-être que même accompagner peut-être William pour faire des interviews avec, par exemple, de Charles Zila, tu vois, peut-être avec tes réseaux aussi, tu vois, pour... Comme ça, en même temps, vous pourriez... Pourquoi je donne cette préférence? Parce que vous allez avoir des souvenirs en commun. Et je pense qu'évoquer ces souvenirs en commun aux jeunes, ça donne aussi envie. Voilà. Moi, je n'ai rien contre le partage des générations, mais je pense que des fois, quand on est de la même génération, quand on a partagé des choses, on a peut-être plus de souvenirs à se remémorer. Et je pense que ces souvenirs-là qu'il faut impérativement graver avant que tout disparaisse. Parce que déjà, il y a un pan déjà de notre histoire qui est parti. Alors, heureusement, nous avons derrière des gens comme Jean-Claude Boucher qui passent leur vie et leur temps à noter le moindre panier, la moindre faute. C'est bien. Tout ça, c'est inscrit, c'est quelque part. Mais je pense que si, il faut aussi laisser les gens parler. Et puis surtout, que vous puissiez, vous, ensemble et bien vous, que vous puissiez vous remémorer et nous raconter justement toutes ces histoires que vous avez vécues ensemble. Voilà, maintenant je te laisse pour peut-être avoir le dernier mot, le mot de la fin. Moi, je voudrais juste remercier tous les acteurs qui ont partagé ma vie professionnelle et sportive. J'ai peut-être derrière moi 3-4 générations où on va dire il y a eu la génération Benoît Gradel, le début de la mienne, la fin de la mienne avec des nouveaux joueurs qui finissaient comme Sofiane, Sylvain de Renoucourt.
de dire que je pense tout le temps à toutes ces personnes, que je les aime vraiment profondément. Je ne retiens pas le... Je ne suis pas rancunier dans la vie. Je n'ai jamais été rancunier. Donc pour moi, c'est que des bons souvenirs. C'est ma famille. C'est, toutes ces personnes-là, ce sont ma famille. Et je voudrais donner un dernier... comment dire, une dernière recommandation aux jeunes d'aujourd'hui. Je voudrais leur dire juste, continuez à vous entraîner beaucoup, 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 beaucoup. Ne croyez pas que tout arrive comme ça. Entraînez-vous beaucoup et faites-nous rêver, nous aussi, l'ancienne génération. Faites-nous rêver comme nous, on a rêvé avec les autres. Merci à vous. Bonne journée. Merci William pour ton interview. Je se rappelle. Eh bien, merci, merci à Yoyo d'avoir d'abord accepté cette invitation. Merci à toi, William, d'avoir mené avec brio cette interview. Et puis, on se donne rendez-vous avec l'un et avec l'autre très, très prochainement. Merci à tous. Et puis, dans quelques instants, eh bien, on va continuer ce parcours avec cette fois-ci Pascal Monté, ex-coach de l'équipe de France, de l'équipe féminine. Et là aussi, je suis sûr qu'on va aussi avoir de belles surprises, parce qu'on va peut-être mettre le doigt aussi sur des choses qui vont peut-être ne pas être agréables, non pas pour lui, mais pour, peut-être pour le fonctionnement, etc. Parce que souvent, c'est vrai que j'ai assisté à un stage à Andrieux. C'est vrai que c'est pas évident hein, d'être coach de l'équipe féminine, surtout quand on a le sentiment que derrière, il n'y a pas beaucoup de soutien. Bon, en tout cas, messieurs, je me permets de vous saluer, de vous embrasser dans cette folie marseillaise. Et puis, on se dit à William demain. Et puis, pour Yoyo, merci. Et puis, à très vite. Allez, donc, on se laisse. Et puis, dans une poignée de secondes, c'est Pascal Monté. Au revoir tout le monde. Salut.